Alors, Héro, Héro, nous sommes pratiquement en. Hein? On a dit peignoir. On va où là? Ok, voilà. La fille, mais c'est tel. Alors, tel est à 5 étoiles et un retour. Ouais, fitness. Il y a ça, on va là, qui est une fitness. Il faut toujours comprendre. Et je ne sais pas, il y a ça, que. Bissot, même, on vit l'Europe. Parce que même chez moi, qui m'a tout ça. C'est quoi, fitness, hein? Fitness, c'est ça, c'est là où on prend la forme. Yo, vous donnez la vie de fitness. Yo, expliquez un peu la terre, non? Fitness. Mais c'est quoi, tout le monde, hein? Toujours le corps, il y a des murs. Il y a une fitness. Le bon moment, on a là pour mon niveau fitness. Il dit que ce tournant, après, c'est un salle où il y a salle à la gym, la sauna, le massage, la famille, surtout là, on va bien dans la fitness. Est-ce que vous en avez besoin d'un mot chaque jour, tellement que tu danses trop, tu tant on répétera, je crois qu'on vient à la ming, on est à la ming, est-ce que vous en avez besoin après? Ok, Après, c'est un petit massage et tout. Ça, c'est le massage à la piscine à côté. Donc, Piscine, ils ont la particularité. Oui, la piscine est la piscine, tout, mais piscine à Ratiana. Attendez. Yura, tu lances. Tu lances la machine. Madame, on avait juste rempli la politique du spa. Ok. Alors, Héros, où ça anime? Ben, je dois signer, il faut s'identifier. Bon, pour qu'il y ait des pendant que tu as accès à la piscine, à ma salle et tout. Je remercie. Les deux ou c'est bon là? Non, plus le français. Ok, merci. Ça marche. Alors, chaque porte va offrir la leçon. Alors, les héros, tant on va vivre, comment tu te sens? Est-ce que tu te sens l'artiste ou bien tu te sens l'homme qui a conquis le cœur de beaucoup d'autres hommes? Ben, je me sens l'artiste. Je me sens un artiste qui vit son temps, un artiste qui a. C'est qui a. Juste pour vous dire, ici vous avez le WC Rome. Vous avez le sauna et le hammam dedans, et les douches, les toilettes également. Vous pouvez visiter. Donc, vous nous faire visiter. Bien sûr, vous pouvez visiter. Hein. Si vous finissez, c'est vraiment génial ici. Voilà, juste ici, vous avez les casiers. Donc, vous pouvez prendre n'importe quel casier ici. Pour changer, voilà. Et ici, vous avez les douches. À droite, vous avez les toilettes. Ici, vous avez le sauna et le hammam. Donc, le sauna, il est à 90 degrés et le hammam, c'est 45. Qu'est-ce qu'il y a? Ah, oui, c'est vapeur. Vapeur, ça, c'est sec. Ça, c'est sec. Voilà. Donc, voilà. Donc, je vais vous expliquer entre le hammam et le sauna. Donc, il y a la vapeur et il y a une partie qui est sec. Je vois que tu es habitué à tout ça. Mais oui. Et bon. Et comment? Donc là, si vous avez les toilettes, et la sortie, c'est juste là-bas, de l'autre côté. La sortie. Ici, à droite. Je vais vous montrer autre chose également, qui est vraiment génial.
toi. Donc juste ici, vous avez l'accès pour la piscine. Et avant d'entrer dans la piscine, moi, je conseille d'aller dans la salle de relaxation. Allez. Idéal pour filmer également. Voilà. Donc pourquoi la salle de, en fait, de, la salle de relaxation? La salle de relaxation, c'est après les soins. Donc les clients, ils ont besoin de se relaxer, se détendre. Donc on propose les clients, après chaque soin, de venir ici, de se relaxer. Alors, Héro, tu te relaxes. Comment tu te sens? Tranquille dans mon esprit. Est-ce que Yamoun te sent à raccueillir l'eau au kende, na massage, au mata, na feeling, aux ongles à la massage, hein? Au sala, ba nuance, moko. Ouais, c'est peut-être ça aussi. Hein. Est-ce que c'est ce qui fait de toi aujourd'hui un des plus grands musiciens congolais? Non, c'est pas ça. Ce qui fait de moi un des plus grands musiciens, c'est le travail. Donc, en dehors du travail, l'environnement qui t'entoure, cette paix, ce calme, à un moment, tu entres dans un sauna, que tu sais que c'est sec. Ça, c'est la personnalité. Mais être parmi les plus grands musiciens, je crois que d'être un grand musicien, tu deviens un grand musicien par rapport à ton travail. C'est pas par rapport à la vie que tu mènes, tu peux avoir tout ce que tu veux, la vie de luxe, tu peux avoir tout, l'argent, tout ça, mais si tu bosses pas bien, tu seras pas un grand musicien. On continue, on est dans George Five. Yes. Alors, J.B. Pierrin, là, tu veux plutôt ressentir l'exercice un peu spécial. Parce que, comment tu te sens en ressentant l'exercice? Bon, ça, c'est pour me remettre en forme, voir un peu le souffle et tout ça. Donc, les noms en tant qu'artiste, est-ce qu'il est nécessaire de s'exercer chaque jour? Ben oui, c'est très important. Donc voilà les uns parmi tes forces pour aux un des meilleurs de ce grand combo. Ouais. Pour être dynamique sur le podium, tout ça. Ça fait partie de tout ça. Juste pour vous tremper, pour rincer les pieds, pour nettoyer les pieds, après vous allez tout doucement. Alors JB, tu vas te rincer les pieds. Est-ce que monsieur s'est nagé? Ben, je suis un grand nageur. Voilà. Je suis nagé. Que représente l'eau pour toi? Que représente l'eau? C'est la vie. Hein. Est-ce que c'est profond, est-ce que tu sois nagé? Ben oui. Voilà. Là, moi je prends les paroles. Que je vais aux amis. La voie, on ne peut pas me maquiner. Alors, tu peux poser la main.